Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit pack opening, deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! Du coup, on va commencer par les coffres en argent. Attention, le suspense est à son comble, comme on dit. Attention, attention. 59 d'or. Deux gobelins, attention, on commence super bien, et... 8 squelettes! Oh là 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 là! Et c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de malade. Ouais, c'est parti pour le deuxième coffre. Bon, on a eu un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher, hein. 69 d'or. Je ne dirais rien. 3 esprits de feu, enfin 3 esprits de glace. Franchement, il commence à me saouler, hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Eh oui, il commence à me saouler. Donc, ah, cette flèche, tu vois, déjà là, ça fait déjà un peu plaisir, tu vois. Là, c'est déjà mieux. Allez, c'est parti, on continue. Petit à petit, je pense qu'il y a moyen qu'on ait des bonnes troupes. Voilà, il y a toujours un moment ou un autre, de toute façon, on tombe sur quelque chose de bien, tu vois. C'est comme ceux qui n'ont pas de légendaire. Il y a toujours un jour ou l'autre, ils ont une grosse bonne légendaire dans leur face. Bam, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on a 2-3 qui arrivent, là. Oh, coucou. Oh là là, en mode vacances, avec un truc sur le dos, là, en mode vacances. Salut, on arrive. On a mis du temps, on s'est perdu dans le chemin. Voilà, enfin bon. Donc, une cabane de barbares. 9 esprits de glace, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, je sais bien que je suis mignon, mais bon, non, je déconne. C'est le mec. Bon alors, coffre gratuit. Ah, j'espère que tu vas pas me décevoir. Déjà, 79 d'or, ça fait toujours autant plaisir. Un petit géant, bon allez, ça passe. 9 gobelins à lance, disons que ça va, ça va. Et ah oui, bah effectivement, il y en a pas d'autres. Donc du coup, 79 d'or, oh, encore une fois, c'est bien, hein. 2 gemmes, ça va, ça va. Oh, une méga gargouille, ça c'est pas mal. Et 9 géants royal, ça, ça fait plaisir. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que bah... Hop là, je vais ouvrir le coffre nord, et après on fera 2 petites attaques. Vous allez voir, on va faire de bonnes attaques, j'en suis sûr. 190 d'or, ça va. 14 esprits de glace, plutôt pas mal. 14 gobelins lance. 13 fournaises. Oui, non, 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 mais non, non, non. Non, non, je dis non, moi. Je dis non, hein. Ouais, même vendredi non, si t'as envie. Bon, du coup, ça me... Hein. Chut. Voilà, ça me gonfle. Ouais, ça me gonfle. Chut, chut, chut. T'as vu ça? Ouais, c'est bon, j'arrête. Donc du coup, j'ai eu un Arkix. Non mais un Arkix, hein? À part faire le petit méchant garçon là, à tirer sur les tours là avec Arkix, je ne vois pas à quoi il sert. Ah, j'ai essayé en défense, hein. Non, 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 c'est non, non, bah non. Oui, mais non, non, non. Déjà non de base pour les défenses, parce que j'y arrive pas. Mais alors avec Arkix, oula. Il y a un petit problème à ce niveau-là. Donc du coup, bah voilà, c'est compliqué. Donc il me sert à rien, voilà. Hein. Bah ouais, il me sert à rien, bah non. Donc du coup, bah franchement, dommage. Et je m'attendais, tu vois, à avoir une petite épique quand même, tu vois, mais un peu mieux que ça quand même. Ne serait-ce que déjà un PK. Un PK. Mais bon. Voilà, c'est pas une sorcière par exemple. Ballon, à la limite ballon. À la limite ballon, petit sort de rage, pourquoi pas. Sort de gel. Non, tu vois, il y avait l'embarras du choix. Certes, ils sont pas forcément super, les cartes épiques. Mais il y avait l'embarras du choix, tu vois. Non, l'autre, il me faut un Arkix, quoi. Ouais, youpi. Ah là là. Non, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, on a 2 petites attaques à faire. Et après, on a le coffre à couronne à ouvrir. C'est parti. Eh, c'est parti, on est contre Multipro. Je me suis défoncé la gorge juste avant parce que j'ai gueulé. Et pourquoi j'ai gueulé? Parce qu'il m'a énervé. Du coup, j'ai gueulé. Ah, je me suis dit, allez, c'est parti, on gueule, on est chaud. Ah, j'étais chaud là. Ah, j'étais chaud, j'avais envie de gueuler. Non, mais le mec, il m'a défoncé au dernier moment. Tu ne sais même pas comment. Bon, faut dire aussi, c'est un peu de ma faute. Hein. Je l'ai un peu laissé faire. tu verrais la situation. C'est vrai que je l'ai laissé faire. Hein. Le mec, je l'ai laissé agglutiner plein de troupes et tout juste en haut. Et puis le mec, bah, dès qu'ils sont venus et trop, j'ai fait ah. Ok. Voilà, enfin bon. En attendant, on a un petit multipro PLM qui est niveau 8 à défoncer. Attention, on est chaud. Bon alors du coup, à ce qui paraît, non juste comme ça, à ce qui paraît, on m'a dit, ouais tu sais quoi? Non mais attends, regarde-moi dans les yeux. Tu sais quoi? Tu parles trop mon gars, tu parles trop! Tais-toi bordel! Tu vois, et donc du coup, eh ben moi j'ai dit, c'est ça qui est bon, hein, c'est ça qui est bon mon gars, bah ben, oui attends, t'as cru quoi toi? T'as cru franchement que la seule chose qui était bien chez moi, c'était de parler comme un fou, comme ça, de parler super vite, de parler super bien, hein? Enfin super vite, non, de parler un petit peu vite, un petit peu bien.
Ça dépend des fois, quand je suis fatigué, c'est dur. Actuellement, je suis fatigué, mais je suis chaud, tu vois, donc ça va, ça passe. Tu vois, ça prend le dessus. Mais bon, malgré tout, c'est pas mal. Et donc, du coup, je vais pas changer ça, c'est complètement con. T'imagines si on savait ça? Bon, alors. Alors, ce qu'on va faire. On va peut-être tirer de la méga gargouille, tiens. Allez, hop, on va tirer de la méga gargouille. Ouais, attends, on va mettre... Vas-y, on va mettre ça, vite. Oui. Ah, yes, parfait, franchement parfait. Allez, on va compléter avec un prince ténébreux. C'est nul. Ah. Ah ouais, non mais bon, il faut pas me chercher. Ah, t'as vu comme c'est nul. Bon, si, c'est vrai que c'est reposant. Mais bon, moi j'ai autre chose à foutre que de me reposer, franchement. Ah, je t'assure, hein, mais il y a tellement de choses à faire. Oh, je dors presque plus en ce moment, c'est un truc fou. Bon alors, du coup, ce qu'on va faire... Mais bon, ça va se rétablir, je suppose, hein. Dès que je me serai mis bien comme il faut, je pense que ça va se rétablir. J'espère, parce que bon. Mais en ce moment, j'ai tellement pas de temps, là, je suis pris de partout, je sais même pas comment j'arrive à faire 3 vidéos par jour, c'est un truc de malade. Et en plus, je fais tout plein de trucs avec, hein. J'avance certains jeux que j'ai sur mon téléphone, je réponds aux coms, ça met un petit moment, n'empêche, hein, de répondre aux coms, hein. Ça met un petit moment. Et puis, il y a plein d'autres trucs à faire, comme ça, je sais plus exactement. Enfin bon, il y a toujours des trucs à faire, de toute façon, il y a toujours. Ouh, mais attends, le mec, il est en train de m'exploser, là. Eh, mais le mec, il est en train de me défoncer. Ouais. Alors, c'est quoi, mon gars? Molosse de lave. Ouais, molosse de lave. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. J'ai rien d'autre à dire, parce que je pense pas qu'il y ait mieux que ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait... Oh non, mais attends. Mais non. Wouh. Non, c'est... Je sais pas, c'est... Ah ouais, non, mais bon, je me suis mal levé ce matin. Déjà, ils m'ont énervé sur Clash Royale, là, quand j'ai avancé mon petit compte pour avoir des petits coffres. Ah, ils m'ont énervé de ouf, là, dès le matin. Moi, il faut pas m'énerver dès le matin, je suis fatigué, donc forcément... D'un côté, je suis toujours fatigué. Mais bon, malgré tout, voilà, dès le matin, là, j'étais dans mon lit tranquillou, j'étais en train de jouer. Puis là, putain, ils m'ont saoulé, ils m'ont fait perdre. J'étais à Rennes 7, je suis redescendu à Rennes 6. Là, j'ai dit, ah, mais dommage, quoi. Ah, c'est la seule chose qui était bien chez moi, tu vois. Enfin, la deuxième seule chose qui était bien chez moi, c'est que j'étais à Rennes 7 avec un compte niveau 5. Je me suis dit, bon, voilà, ça donne un petit peu de bocossitude. Et puis là, bam, ils m'ont auto-défoncé. C'est pas très grave. En attendant, moi, je vais laisser cette attaque parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, cette attaque. Dommage que le mec, il est pas en PLS. Bon, PLM, c'est déjà bien. C'est une taille au-dessus, je crois. Ou une taille en dessous. Je crois que ça existe, c'est une taille S. Ouais, ça existe. Mais est-ce que c'est une taille au-dessus ou une taille en dessous? Oh, je sais pas du tout. Bon, attendant, moi, je vais vous dire... à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Allez, c'est parti. On est contre Esclava 8. Oh là là, on va faire un maximum d'attaques. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va envoyer du... Allez, du prince ténébreux, on est des fous. Allez, hop, on envoie du sorcier de glace. Allez, hop, sorcier contre sorcier de glace. C'est parti. Ça passe ou pas? Ouh là là, comment il nous défonce. Oh, c'est pas grave, on a une botte secrète. La Valkyrie. Allez, c'est parti. Hop, on envoie la méga gargouille pour défendre un peu mieux. Ouais, youpi. Oh, comment on a trop bien défendu. Oh. Et franchement, entre nous... C'est chiant! Et franchement, si vraiment vous aimez pas les gens qui parlent trop, mais allez voir d'autres youtubeurs! Il y en a plein des youtubeurs comme ça qui parlent tout doucement. Surtout les nouveaux youtubeurs, forcément. Moi, quand j'étais au début, mais quand j'étais au début, ça disait des gros mots à gogo, ça insultait de partout, ça parlait tout doucement, là, enfin, blablabla. Wow! Punch-toi! Montre que t'aimes ça, bordel! Non, mais les mecs, ils ont cru que. Non mais attends, les mecs ils ont cru, tu sais, que je faisais des vidéos parce que j'allais mourir, tu sais. Ouais, alors aujourd'hui, bon, je suis un peu déçu, je vais mourir, voilà, donc... Wow, non. Putain, non, je suis là, je profite, bordel. Ouais, c'est bon, ça. Non, franchement, c'est cool. Eh, c'est cool, franchement, c'est cool. Non mais tu vois, je me dis, je sais pas, moi, je trouve ça... Tu sais, si je parle pas, tu sais, je me dis, oh, comme il a le seum, le mec. Oh, t'as vu? Alors, une seconde de plus, enfin, je sais pas combien de temps de plus, mais vraiment pas longtemps de plus, et le mec, il aurait défoncé mon molosse de lave avec. Tu sais, les petits mignons, là, les... Allez, les petits roquets de lave, là. Ah, c'est dommage pour lui. Bon, c'est pas grave, hein, tant mieux pour moi. Bah, attends, je me venge. Bah, attends, tu crois quoi? Oui, donc, du coup... Eh ben, mince. J'ai oublié ce que je disais. Ah, j'aime pas quand j'oublie ce que je dis. Si, je parlais de... Ah, je sais plus. Enfin, bon, malgré tout, au niveau de... De tout ce qui est la chat, comme ça, la parole, comme ça. Et bah, c'est bien, au moins, tu vois, ça...
ça montre que tu fais des vidéos parce que tu t'éclates. Voilà. Bon attends, mais alors là franchement t'as cru que t'allais faire quelque chose juste en faisant ça? Mais le mec il s'est dit peut-être que ça va passer. On ne sait jamais. On sait jamais. Hein, voilà. Mais non, ça passe pas avec moi. Bon, c'est parti, on prend le 3 étoiles, il m'a saoulé. Non, mais c'est bon, attends. T'as cru que j'allais attendre 2 ans là pour avoir le 3 étoiles? T'es malade. Ouais, c'est parti, on envoie les petites archers. Normalement, ça va le faire. Ça va. Oh, attends, mais il m'a mis mine en bas là. Ah ouais, en bas, il m'avait quand même bien attaqué en bas. Bon, en attendant, c'est plutôt pas mal. Ça va? Tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris là. Qu'est-ce que t'as fait, mon gars? Il a dû faire l'esclave. Eh ben oui, le mec s'appelle l'esclave. Bon, c'est... Je sais pas en quelle langue, mais... Si tu es un bon français, tu pourrais dire que c'est en espagnol. Eh ouais, esclava. Esclave, esclava. Voilà. Torchon, torchona. Ouais, passe-moi le torchona, là. Bon, attendant. On s'est fait deux petites attaques. Deux moyennes attaques. On évolue, t'sais. Deux moyennes attaques. Donc on s'est fait deux moyennes attaques. Et donc du coup, moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti. Et c'est parti, on va ouvrir le bon petit coffre à couronne. Attention. Clic. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a ouvert le coffre à couronne? J'y crois pas. 496 d'or, c'est plutôt pas mal. Dommage qu'on en ait pas 500. Ouais, dommage. En attendant, ça donne quoi? Pouf. Deux gemmes. Ouh, ça commence... plutôt bien. Attention, 14 esprits de feu, 19 esprits de glace. Qu'est-ce qu'ils ont les esprits aujourd'hui? Ils me hantent. Petit jeu de mots. Et 24 électrocution. Et c'est golem de glace. Ah, je suis gelé. Qu'est-ce que je te disais? Je sais pas quoi dire. Ah, ils m'ont gelé mon petit cœur. Bon, attendant, ça me commence à me péter les steaks là. Les golems de glace, les esprits de feu, les esprits de glace, les tours de défense, les vieilles troupes, Bon, voilà quoi, non mais il y a un moment, voilà quoi. Non mais attends, c'est un truc de fou, il y a les Arkix, les machins, waouh, hey, oh, on va se calmer, hein. Il y a un moment, il faut voir les choses en face. Pourquoi, hein? Non mais c'est trop, c'est ça le problème de Clash Royale, c'est que c'est trop dans le peut-être. Tu le peut-être. C'est même pas du peut-être, c'est du... Si j'ai envie. Genre, ouais, bon, allez, aujourd'hui, je suis sympa, j'ai envie de te donner des archers. Tiens, je te donne des petites archers. Voilà. Mais que ça... Non, pas plus. T'es ouf, toi. Je t'en donne qu'une, hein. Ah, bah, attends, t'es fou, toi. La deuxième, tu peux... Je vais pas être boursé, hein. Non, mais bon, c'est vrai que c'est... Oh. Ah, ouais, non, mais... Mais bon, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour gagner un maximum de pognon. Donc forcément, ils vont pas se priver. Bon, en attendant, moi, je vais devoir vous laisser sur ce... Donc on s'est fait un petit pack opening, deux petites attaques et un coffre à couronne, comme la plupart du temps. Donc du coup, c'est vrai que en ce moment là, j'ai pas vraiment les troupes que je veux, c'est dommage. Une fois par-ci, une fois par-là, mais c'est assez rare. Bon, c'est pas très grave. En attendant, on est quand même plutôt bien parce qu'on peut demander des troupes, on peut en acheter, donc ça passe. On se débrouille comme on peut. C'est limite si les ouvertures, elles me servent strictement à rien, tu sais. Enfin bon, donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'améliore pas toutes les troupes que j'ai, hein, que j'améliore aucune troupe en fait. Ouais, mais améliore tes troupes petites là, et tes petits bâtiments, tout ça, ça te fera de l'XP. Bah justement, c'est ce que je recherche pas du tout. Moi, j'améliore que les troupes que j'ai sur mon deck. Pour éviter d'augmenter trop en XP et du coup avoir des troupes maxées avec un petit niveau. Enfin un niveau pas trop gros quoi. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs aussi avec mon compte secondaire, mais là c'est encore pire avec le compte secondaire, c'est un truc de malade. En attendant, moi je vais devoir rester sur ce, donc du coup, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et plus n'oubliez pas, restez cool!